Bonjour à tous, 4 matchs, 4 victoires, le moral est au beau fixe chez les footballeurs du Racing. Hier soir, ils sont allés battre Brest 0-1. Les Strasbourgeois sont pour l'instant toujours en tête de Ligue 2, compte rendu de la rencontre avec Manuel Götze. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les footballeurs du Racing. 4 matchs, 4 victoires. Hier soir, les Alsaciens se sont mis rapidement en évidence. Marcos Dos Santos profite d'une bévue de Steve Elana pour ouvrir le score dès la 7e minute. Une première mi-temps largement à l'avantage du Racing Club de Strasbourg. Il faut rester maintenant concentré, solide derrière. Et puis on va encore avoir des possibilités en contre. Alors on est en confiance, depuis le début de saison, on est en confiance, on essaye de consolider ça justement. Mais bon, il va falloir être très prudent parce qu'ils ont des joueurs rapides et un bon point d'appui avec Poyet devant. En deuxième période, la domination est beaucoup plus nettement bretonne. Mais le Racing a pu compter hier soir sur un Stéphane Cassard. Des grands soirs, le portier alsacien a multiplié les parades et a écœuré à lui seul les attaquants brestois. Le show Cassard et la victoire alsacienne. Il y a 2 ans, on a vu ce qu'il fallait, quels ingrédients il fallait pour monter. Sur les 4 premières journées, pour l'instant, il y a tout ce qu'il faut. Mais il faut à chaque week-end se remettre en question, refaire les efforts comme on l'a fait ce soir. Et avec ça, on peut aller loin. Poursuivre la bonne série, ce sera l'objectif du Racing, seul leader de Ligue 2 avec ses 4 victoires en 4 matchs. Prochain rendez-vous, la réception de Châteauroux, ce sera vendredi soir au stade de la Méno.